l'idée de cette exposition est née par contraste avec la précédente qui était donc sur la céramique au Vietnam. Donc là, l'idée était de revenir un peu, de revenir dans les Landes. Et elle est née aussi du fait que depuis 6 ans, le Conseil général a acquis des pièces de céramique landaise, en plus outre que Samadé, dans le but aussi de faire connaître ce patrimoine, cet aspect du patrimoine landais qui est bon, qui n'est pas finalement si connu que ça. La période chronologique sur laquelle s'étend cette exposition, eh bien, c'est du Moyen-Âge jusqu'aux années 1930. Donc on a vraiment là un large panel de la production landaise. Pas exclusif, qui ne présente pas tout, mais qui donne quand même une idée de ce qui s'est fait dans les Landes. Donc c'est une classe de 3e qui est en option découverte professionnelle et il participe à un dispositif académique qui s'appelle « À la découverte des musées, comprendre un musée » qui est donc un partenariat mis en œuvre par le rectorat de Bordeaux et en l'occurrence le musée de Samadé, le musée de la faïence et des arts de la table. Aujourd'hui, première visite, c'est découvrir un bâtiment, un lieu. Deuxième temps, ce sera plus découvrir des collections. Donc là, on a la chance qu'il y ait une exposition permanente et puis une temporaire en ce moment. Et dans un troisième temps, ce sera approfondir tous les métiers qui tournent autour d'un musée. Pour les élèves, c'est très fortement rattaché à un ancrage local. Le but du jeu, c'était ce partenariat.